Il y a des gens, ils s'imaginent, c'est ça qui est vachement important. Des gens, ils se disent, ouais, la philo, c'est vachement cool, c'est bien de faire de la philosophie parce que grâce à ça, tu résous tous les problèmes. De la merde, c'est pas vrai. La philosophie, ça sert pas à résoudre les problèmes. La philosophie, ça sert à compliquer les problèmes. Si vous rentrez dans la philosophie, vous allez en chier des ronds de chapeau, ma parole, hein. C'est des oursins que vous allez trouver au fond de votre froc, hein. J'aime autant vous le dire, hein. Voilà, bon, l'objectif, c'est surtout pas clarifier les choses, hein. C'est vraiment foutre la merde, j'adore ça. Quand on prend la parole, que dit tu parles, l'argent qu'il évite, je vais arriver à en faire un mystère. La corde gendarme. C'est comme ça qu'on fait un PowerPoint portatif, interactif, convivial et antinucléaire, puisque celui-ci, il marche sans électricité du tout. Les gens, je leur dis hop, diapo suivante, et ils déplient, tu vois, donc c'est aussi con que ça. Donc Nietzsche part de ce principe au fond. Lequel ? Nous sommes des décadents. Nous sommes des impuissants. Nous n'osons pas vivre. Nous n'osons pas accéder à ce que représente la vie dans cette prise de risque, dans cette aventure, dans ces incertitudes, dans cette violence que l'on peut décider de faire à soi pour quitter ses habitudes et pour se confronter à la nouveauté. Faire de la philosophie en prison, en hôpital psychiatrique, y déplacer son corps et se frotter avec le corps de ceux qui sont les invisibles et les parias, la société, fréquenter les marges, aller philosopher avec des gens qui sont bannis de l'espace géographique où la culture est encensée, c'est pour moi un acte philosophique et c'est l'acte philosophique par excellence. 42-17. Et moi, l'expérience que j'ai eue dans la psychiatrie, dans la détention, dans l'hôpital, c'est ça. C'est que la philosophie, elle peut avoir cette force qu'elle ne t'apporte rien, mais elle te met face à l'expérience nue de la vie.